à Paris, le 14 juillet 1827. Mon très cher ami, je prends le temps de vous écrire aujourd'hui, jour de notre fête nationale. En ce jour férié, j'ai un peu plus de temps pour me consacrer à ma correspondance épistolaire. Cette commémoration de révolution m'a inspiré cette lettre. Je souhaite alors vous partager ma vision positive de l'avenir et vous dire combien je crois à un futur plus joyeux. J'espère que vous vivrez dans un futur proche la commémoration de votre révolution pour l'indépendance de la Grèce qui, je l'espère, arrivera très bientôt. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je suis désolée de ne pas vous avoir envoyé de lettre plus tôt, mais j'ai été très pris par la montée en puissance du mouvement philhellène. Je vous envoie cette lettre pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une offre de médiation a été faite à Londres proposant des solutions pour l'indépendance de la Grèce. Ici, à Paris, il y a de plus en plus de comités de philhellènes qui appellent les gouvernements à agir. Grâce à cette pression de plus en plus puissante, les gouvernements russes, français et anglais ont signé un traité la semaine dernière, le 6 juillet, proposant une réconciliation entre votre pays et les Turcs. Le traité propose une séparation entre vos deux nations. Vous aurez le droit de choisir les autorités qui vous gouverneront. Vous devrez par contre une redevance annuelle au sultan et les puissants signataires assureront la paix et la réconciliation de vos nations. Mais pour cela, il faut que le sultan accepte cette offre. Dans votre dernière lettre, vous me demandiez quand je revenais en Grèce. C'est vrai que mon dernier voyage remonte à bientôt un an. J'espère donc pouvoir revenir dans les prochains mois. Le temps passe vite, cela va bientôt faire un an que nous nous sommes rencontrés et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai régulièrement des souvenirs du voyage qui me reviennent en tête. C'était vraiment une expédition hors du commun pour défendre cette cause qui me tient tant à cœur, votre liberté et votre indépendance. Et quel honneur que le comité philhellène de Paris m'ait nommé responsable de cette deuxième expédition. Quelle expérience inoubliable. La semaine dernière, j'ai eu à l'occasion d'admirer un tableau magnifique qui me fait toujours penser à vous. Il s'intitule « La Grèce sur les ruines de Missolonghi » et a été peint l'an dernier par Eugène Delacroix. Je l'avais déjà vu il y a quelques mois à la Galerie Lebrun à Paris, où il avait été exposé avec d'autres œuvres au profit de la cause grecque. Ce tableau représente une jeune femme à demi agenouillée sur les ruines d'une construction qui vient d'être détruite. Elle a les bras ouverts et les yeux au ciel. Elle nous prend un témoin de son désarroi. En arrière-plan se dresse un Turc droit, arrogant et fier d'une victoire qu'il ne méritait pas. Ce tableau qui représente simplement la chute et la destruction de la ville de Missolonghi m'a énormément touchée et me renforce dans ma détermination à m'engager coûte que coûte pour votre cause afin que vous obteniez enfin votre liberté. J'espère vraiment que la situation va s'améliorer prochainement, avec toute mon affection et dans l'attente d'une réponse. Votre ami, Théobald Émile Archambal Piscatori. Le 6 octobre 1827. Mon cher Théobald Émile, merci pour votre lettre de soutien qui m'est d'un grand réconfort, surtout en ce moment. Les nouvelles étaient certes encourageantes ces derniers mois, mais un nouveau coup de théâtre a eu lieu depuis la réception de votre lettre. Cette offre de médiation proposée par votre pays, par l'Angleterre et par la Russie, avait été très bien accueillie par les révolutionnaires grecs. Mais malheureusement, cette proposition a été refusée par le sultan. Ce dernier estime en effet que les puissances signataires n'ont pas à s'occuper de la politique intérieure de l'Empire ottoman et il ne veut aucune intervention étrangère sur son territoire. Cette offre l'a mise très en colère. Il a même menacé les puissances signataires et le peuple grec de représailles. Ce refus a déçu les révolutionnaires grecs et nous sommes dans l'attente d'une issue car, pour le moment, nous n'avons plus vraiment de solution. La situation est très tendue et le climat entre nos révolutionnaires et l'Empire ottoman est extrêmement conflictuel. La situation est précaire et nous craignons de nouveaux combats armés. Si une nouvelle bataille éclate, j'espère que nous aurons du soutien de la part des pays des différents signataires du traité de Londres. Cette révolution est, certes, une excellente nouvelle pour notre peuple et j'espère toujours que nous obtiendrons prochainement notre indépendance. Mais depuis quelques semaines, les choses n'avancent pas trop. Je me demande vraiment comment nous allons nous sortir de cette situation complexe et je pense tous les jours à toutes les personnes qui se battent pour notre indépendance sans relâche et ce, depuis le premier jour. Mais il y a toujours une lueur d'espoir au fond de mon cœur et dans celui de tous les Grecs. Malgré cela, essayons d'être positifs, car sinon, nous ne tiendrons pas. J'ai lu que vous aviez envie de revenir en Grèce. Je vous comprends, car je garde un excellent souvenir de votre venue. J'espère donc que votre projet de voyage aboutira et que nous pourrons rêver ensemble à bâtir un avenir meilleur. La Révolution française est une source d'inspiration quotidienne pour nous. La détermination du peuple français
est un modèle pour le peuple grec. J'ai reçu une lettre d'un ami français il y a quelques jours, avec les paroles d'un opéra d'Hector Berlioz. C'est un extrait de l'opéra « La Révolution grecque » que Berlioz a écrite l'an dernier. Cette scène se nomme « La scène héroïque ». Elle raconte le combat d'un jeune héros grec pendant la Révolution. Ce jeune homme fait preuve d'un courage extraordinaire. Dans cette scène, des femmes et un prêtre prient pour ce jeune homme. Cet opéra m'a particulièrement affectée car il me rappelle mes débuts dans la Révolution grecque. Les femmes me font penser à ma mère, qui était touchée par mon engagement, mais qui était aussi très inquiète. Je nous reconnais également à travers cet homme, car aujourd'hui, mes camarades et moi sommes déterminés plus que jamais à faire triompher cette révolution. Je vous remercie du fond du cœur pour votre investissement à l'égard de notre révolution. Et je tiens également à remercier tous les membres du comité Philhellène de Paris pour leur détermination sans faille à nos côtés. Dans l'attente de vous lire de nouveau, je vous transmets toute mon affection, votre ami Ioannis Colettis.